I'm literally allowed to record you guys if I wanted to, especially on my own property. Yo, what? Oh my god. I really just want to give back more and just help people and feel like I've made an impact on people's lives and not just doing things for views. Coucou mes chers amis, comment allez-vous? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que devenaient les enfants qui ont démarré sur YouTube une fois majeurs? Du côté francophone, on a Néo de la chaîne Swan et Néo, qui, après avoir fait des tests de jouets pendant des années, a pris le même tournant que les autres chaînes de divertissement. Mais du côté américain, un de ses enfants a récemment fait l'objet d'énormément de controverses suite au tournant qu'a pris sa chaîne. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va parler de Jack Doherty, l'enfant prankeur qui a mal tourné. Cette vidéo risque d'être longue, donc je vous conseille de prendre de quoi manger, poser un RTT et de vous accrocher. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas déjà, Oli, c'est une marque basée chez nos voisins allemands qui propose des boissons en poudre. Ils ont plusieurs gammes de produits, en allant de l'iced tea aux boissons énergisantes, sans oublier l'hydratation. Mais le mieux pour vous faire une idée, c'est le pack découverte. Personnellement, j'ai un coup de cœur pour leurs produits hydratation, et plus particulièrement la saveur fraise kiwi. Oh, je l'apprécie agréablement. Et honnêtement, je me fume tellement à ça pendant mes sessions de montage que j'ai dû leur en redemander avant de tourner cette vidéo. Et pour avoir testé avec des proches avant d'accepter le partenariat, on s'est aussi rendu compte que c'était une bonne alternative pour diminuer la consommation de soda, car il n'y a ni sucre, ni taurine, ni arôme artificiel dans leurs boissons. Si j'ai accepté ce partenariat, bah c'est déjà parce que j'aime bien leurs produits. Et aussi qu'ils sont sacrément confiants pour sponsoriser ma chaîne alors qu'elle est petite et que ça fait que quelques mois que j'ai commencé. Donc si vous voulez découvrir ou profiter de leurs produits, grâce à mon code CLEOR5, vous avez droit à 5€ de réduction sur votre commande. Merci à celles et ceux qui utiliseront mon code car c'est une manière de soutenir la chaîne et donc mon contenu. Et surtout, merci à Oli pour leur opportunité. Et maintenant, on peut passer à la vidéo. C'est en octobre 2003 que Jack Doherty naît à Long Island, à New York, dernier d'une famille de 4 enfants. Il commence les vidéos sur YouTube le 15 juillet 2016 avec une vidéo de marqueur flip dans sa salle de classe. Oh my god! Oh my god! I just did the marker flip twice in a row. I got it on video. Et premier degré, c'est mieux enregistré et monté que les premières vidéos de beaucoup de gens, moi inclus. Il passe rapidement à ses premiers pranks qui sont des canulars téléphoniques. Do you guys like sell like bulk packs of McNuggets? No, remember we know where you live, so be careful how you call here, okay? You know what? Your number is on the phone. You what? Be careful how you call here. Your number is on the phone. Okay? I didn't say anything wrong. Au bout de 6 vidéos seulement, il atteint les 100 abonnés, puis il enchaîne avec des pranks sur les clowns tueurs. Et plus je vieillis, plus je suis triste de me dire que des gens ne connaîtront jamais la traîne des clowns tueurs. I'm gonna be prank calling the killer clown. Eh mais montre pas tous tes contacts comme ça. Et j'aime bien l'idée qu'on est assez con pour croire qu'il a enregistré un numéro sous le nom Clown Tueur, parce que personnellement c'est exactement le nom que porte ma mère dans mon répertoire. What, who is this? You called me. Who are you? I don't know, you tell me. Pourquoi on dirait mon jeu de doublage claqué mais en anglais là? I guess we'll see about that tomorrow. Dude. Alright guys, I did not expect that to happen. I'm still scared. I don't know what I'm gonna do now. Non vraiment, tu peux pas dire que t'es marqué à vie et effrayé avec cette musique de fond. I turned around and went, whoa, no way! Réveille-toi, putain de merde! Et je mentirais si je disais que j'étais pas à la fois cringe et hypnotisé par ce gamin, parce que certains passages sont des pépites et que je comprends pourquoi ça a marché pour lui. Trick or treat. C'est un mois plus tard qu'il démarre une série de pranks qui va marquer le tournant de sa chaîne, les pranks dans les supermarchés. Today we're at Walmart, we're gonna be building a toilet paper fort. We're still working on clearing the toilet paper. It's not that big, but you know, it's gonna get big, it's gonna get big. C'est clairement pas le genre de prank qu'on aurait pu faire en 2019. Au bout d'un moment, ils se font choper par un employé et sortir du magasin. Thank you guys so much for watching. Please leave a like and share with your friends if you enjoyed. If this video gets like 100 likes or something, we'll do, well no, like 50 likes, we'll do a double decker one. Maybe in a different Walmart, because we just got caught. La confiance de ce gamin de faire l'outro dans la voiture de sa mère, là même moi je l'aurais bossé. Quoique la daronne est la plus bizarre dans cette histoire, car quelques jours plus tard, elle conduira son gamin devant la maison du groupe Face pour tourner sa vidéo. We're at the Face house right now, oh my god. Yo, we're here, oh my god guys. 100% c'est la même mère que le mec qui a trouvé la maison de JDG. Ce gars je l'ai laissé rentrer quand même, je lui ai offert à boire. Guys, we're doing it, we have to bang. I'm here, my mom's gonna be pissed. I want them to come out so freaking badly. Holy crap! Face rain! Oh my god! Face rain! Évidemment, aucun des mecs ne va venir lui ouvrir la porte. Why they're so famous? They all have like YouTube channels, they have millions of subscribers and everything.
Mais madame, vous venez de conduire votre gosse devant la maison de ces gens, quitte à bloquer l'entrée de leur garage sans savoir pourquoi vous l'avez fait. D'ailleurs, l'influenceur FaZe Rain s'exprimera sur l'incident en vidéo 3 jours plus tard. After people are disrespectful, I don't want to answer the door because it's like, I don't want to yell at you, I don't want to yell at them, I just kind of want them to fuck off at that point. It's like, dude, you're being disrespectful, I don't want to yell at you or anything. Because I know if I open the door, I'm gonna feel guilty. Et on sait qu'il parlait bien d'eux, car Jack s'en est vanté dans une de ses vidéos suivantes. Guys, he's talking about me and Andre. Oh my god! Quelques jours plus tard, Jack passera de 400 à 1000 abonnés. Puis si la visite de la maison du groupe FaZe ne lui avait pas suffi, Jack profite d'un de ses voyages à Los Angeles pour rendre une petite visite à plusieurs gros youtubeurs, dont Jake Paul ou encore un bon ami à nous. Guys, so that's Ricegum's house. I mean, that's Ricegum's room. That's Ricegum! Yo, Ricegum! Malgré la fin d'Halloween, on retournera très vite sur des concepts de clown tueur, où Jack ne manquera pas de faire un petit tour avec sa GoPro dans un cimetière. What the hell? Holy crap! Show yourself! Mom, there's a killer clown in the house! Where? Go! À la fin, la police passe pour lui dire qu'il ne faut pas rouler avec ça sur la route. Il atteint les 10 000 abonnés fin janvier 2017 et les 100 000 abonnés à peine un mois plus tard. Ses vidéos les plus populaires à ce moment-là sont les pranks avec les clowns tueurs et les challenges de flip. Tout le long de cette année, il enchaînera avec des sauts acrobatiques, des challenges et des réactions. Mais 2017, c'est aussi l'année d'une trend qu'on a tous oublié, celle d'Ian Spinner. Donc Jack surfe sur la vague, mais ça ne fait pas autant de vues que ses pranks, donc il finit par en refaire. Et là où ses premiers pranks étaient encore bon enfant, faire un fort en papier de toilette, ça n'a jamais tué personne, bah il commence à s'enfoncer dans un contenu provocateur en tentant de se faire virer du magasin. Guys, I'm in the back of the fort. Paint smashing about to go down in Walmart right now. Non. Oh. Non. Et quand c'est pas sa mère qui le pousse à faire des conneries, c'est son père. Yeah. Dive into this box, you'll disappear. All right, I'll go for it. This box right here. My dad has ideas, you know. For somebody to help you, like a Walmart, like where do I get the pillows and say, oh, I can't. Oh, if you do a scare. You can't reach a pillow. That would be a good one. Scare prank. So you want me to jump in? Ce qui le pousse, du haut de ses 14 ans, à prendre des risques idiots pour ses vidéos. Pour ceux qui ne l'auraient pas connu, The Floris Lava est une trend qui consiste à juste sauter sur le premier dispositif accessible pour ne plus toucher le sol. Et on a eu une chier de vidéos là-dessus, dans celle de Jack et ses copains. Son business principal reste de se faire virer des magasins en faisant mine de ne pas comprendre, et il n'hésite pas à refaire les mêmes pranks dans le même magasin. Literally, we did nothing. I think they knew who Jack was because he's been here before. Like, he did like me and Jack did like toilet paper forts and like other challenges here. Le souci récurrent avec Jack, c'est qu'il clame à chaque fois ne pas comprendre ce qu'il a fait de mal. Not on property anymore. Do you want me to call the cops? For what reason? But do you want me to? Because you think this is funny? I don't. You're think not it's supposed funny. To do that. Do what? The funny thing is, like, we didn't do anything like bad. Like, I don't know, maybe jumping to like that candy thing at the end. Et c'est difficile de le blâmer vu que ses parents le conduisent carrément là-bas pour qu'il fasse ses conneries. You're not supposed to be alone there. Ah bah non, les enfants n'ont rien à foutre dans ce Walmart sans être accompagnés de leurs parents. D'ailleurs, c'est qui les a déposés là-bas? All right, guys. So right now I'm on my way to pick up Andre and Justin. Ah bah mince, il s'agirait d'être un peu moins con ou au moins de faire vérifier la vidéo avant de la poster. D'ailleurs, cette confrontation avec les flics a bien marché puisque 2 jours plus tard, Jack retourne chez Walmart pour y faire des pranks. Be smart. Yeah. Mais oui, mon fils, tu t'es déjà fait virer de Walmart il y a 2 jours, mais va avec tes copains et surtout pas de bêtises, hein. Yo, leave a like and subscribe, Jack Hardy on YouTube, merch link in bio. Cette chaîne me fout tellement de frissons que je vais me la garder pour les jours chauds qui arrivent. Toute vidéo est une bonne occasion de pousser le concept à son maximum pour que les gens appellent les flics et qu'ils puissent le mettre dans le titre. We're calling the cops right now, but whatever. I can put cops called in the title. Et parfois, juste le fait de voir une voiture de police sur le parking suffit à ce qu'ils le mettent dans le titre. Dans un autre registre, on a aussi cette vidéo où Jack et ses potes traversent une propriété privée pour faire des figures dans l'eau. Et dès l'instant où ils voient les propriétaires appliquer, ils se barrent. People are home. Oh crap, they're calling the owners. Comme d'habitude, la daronne au volant, elle en a rien à foutre, elle embarque les gosses dans le coffre et c'est parti. Et contrairement à ce que je pensais, ils ne font pas leur connerie tout seul, vu que Jack croise parfois son daron après avoir réalisé ses pranks. Hey, what up, guys? Peace out, boys. What's up, Dad? Did you hear that? Yeah, I was
You walked in at the guitar. Why? À ce train-là, il aurait mieux fait de partir chercher des clopes. Hein. À chaque début de vidéo, quand je vois sa mère se mettre derrière le volant, je me demande vraiment à quoi elle pense. Ah, encore une bonne journée pour emmener mon fils et ses copains faire des conneries pour les vues. Je l'ai pas supporté 9 mois pour pas qu'il me rapporte le gamin. Finalement, j'ai bien fait de pas l'avaler quand j'en avais l'occasion. D'ailleurs, dans une de ses vidéos sur Walmart, ils se font choper par le manager qui leur demande d'arrêter. Ah, ok. Oh, it's not even gonna film me, like, it's just... I don't care, just have the villains away from me. Please leave the store. Yeah. All right? Don't come back for 24 hours, I don't care, all right? Yeah. It's not like I'm doing anything wrong. It's just kind of like a promotion of the store. Why are they, like, mad at us? I'm literally promoting the store to get people to come here more, you know? Ouf. Mais heureusement qu'il est là pour faire de la pub à Walmart, hein, sinon le magasin il aurait déjà fermé, c'est sûr. En vérité, ma vidéo elle est là pour contrer le réarmement démographique de la France. Pour ceux qui aiment les statistiques, sur 864 vidéos, on en retrouve 62 avec le nom Walmart dans le titre. Bon, il y en a bien plus évidemment. 53 où il mentionne la police, et 49 où il se fait jeter. Et j'en ai pas parlé plus tôt, mais est-ce qu'on peut parler de l'outro qui me pète les oreilles ? Je veux dire, regardez ma piste son. Et encore, j'ai adapté pour pas que ça vous brûle les tympans. Ma voix de basse était déjà assez. En août 2017, il en est déjà à 600 000 abonnés. Et au fur et à mesure de ses vidéos, ses défis deviennent de plus en plus dangereux. I remember that people did like milk smashing. He's gonna be the one doing it. But if we smash 15,000 likes, I'll do it. I'll do it like once if we smash 15,000 likes. I don't want to be involved in this. I'm not gonna get in trouble. I'm just gonna film it. That's all I'm gonna do. You are so. Anything that he does, I do not take responsibility because this kid's kind of dumb and stupid. No offense, Nathan. Évidemment, c'est pas parce que tu ne participes pas que tu n'es pas impliqué. Sans la caméra et les centaines de milliers d'abonnés, je doute fortement que ça serait parti aussi loin. Surtout quand tu es la personne qui poste la vidéo. Calme-toi, Cléor, il n'a que 14 ans. Dude, I didn't expect that to happen, bro. Tu pensais vraiment pas qu'en lançant une assiette en céramique au-dessus d'un rayon, elle allait retomber ou potentiellement toucher quelqu'un ? I don't even know if I want to put that in my video, like... Plutôt dans la vidéo, je vous parlais de la mère de Jack, mais son père n'est pas beaucoup mieux. We're probably gonna have to buy the computer first and then do the video because if we get kicked out, I'm not gonna be able to buy my computer and then... Yeah, I can take the computer out to the car. Yeah, that's true. All right, my dad's bringing it back to the car. The beats and that. Thank you, Daddy. Donc là, le daron les accompagne pour acheter le PC du gamin, mais ils se cassent tout en sachant qu'ils vont faire de la merde pour leur vidéo. What do I have to say? You proud of me? Am I proud of you? Why would I be proud of that? I don't know. That's quality. That is quality content right there. Leave a like for that. Don't think my mom and their dad are bad parents for bringing me here because they know it's like my job and that you guys want it. They know like yeah, they pretty much know it's my job and like I just like need to make some cool videos for you guys. Tes parents sont des adultes. Non, amener leur gosse de 14 ans faire des conneries dans un magasin n'équivaut pas à l'amener à son travail. Ce sont juste des irresponsables. We're never gonna be able to come back to this Walmart again. Like everyone knows about us. D'ailleurs, il a beau dire qu'il ne pourra plus jamais retourner chez Walmart, il le fait quelques jours plus tard à l'occasion de son anniversaire et il ne se cache même plus, il veut juste se faire virer. I'm freaking hyped today, boys. We're gonna go to Walmart. We're gonna get kicked out on my freaking birthday. On your camera. On my camera. And I'm not authorized. You're just here to buy. No, you're not buying anything. You're here to buy these. Not buying anything today. Why not? I'm telling you that. Okay, right here, look, you're on camera. This is a... I will take the cameras out. We didn't even know anything. You are not getting permission. You're not touching anything. And we will be no trespassing you. Il les remercie pour le million de vues que ça va lui apporter. Thank you for the millions of views you guys have got me. Et il a raison, vu qu'il a fait 1,3 million de vues avec cette vidéo. To all the parents watching me right now, just letting you know, I did not do anything wrong. We didn't do anything. We did not do anything wrong. That was the one time I didn't do anything. I never really didn't do anything wrong. Et c'est début janvier 2018 que Jack dépassera le million d'abonnés à l'âge de 14 ans. You were 13 years old most of the year, and for a 13-year-old child, worked your ass off. It's a lot of work to do what you did. Yeah. And I have to say, as your dad, I'm very, very proud of you. Évidemment, il va continuer ses pranks, et il a vraiment de la chance qu'à chaque fois qu'il se fait choper, il tombe sur des gars plutôt sympas avec lui parce que c'est un gosse. Is that what you want to do, like long term, video editing or something like that? Yeah, something like that. You're good on camera. You should. Just ask him what would it take for you to try to get permission, you know, to film videos or approach people. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a sorti une vidéo pour expliquer comment devenir célèbre sur YouTube. I thought
we should do a video where we let you guys know how to get famous on YouTube or pretty much any social media, because we came up with some pretty good tips that I thought would be good and helpful for you guys, you know, help you guys grow your social media. Je veux dire, pour moi c'est évident qu'il est connu car il n'arrête pas de faire chier le monde en vidéo sans jamais devoir subir les conséquences. Mais vu que je suis en dessous de lui, on va voir ses conseils. If you can't come up with something totally original because there's so much on YouTube, do something that people do, but do it better. Do it different. Yeah. Do it, make it original. Vous avez compris les enfants? Ne faites pas comme lui à casser des trucs, faites le mieux que lui. Étonnamment, ses conseils sont plutôt pertinents. Je les compare avec ceux d'Antoine Daniel et on se retrouve assez bien dedans. Les filles, si vous avez envie de faire des vidéos, par pitié, faites-les. Mais pour son type de contenu, c'est assez étrange d'entendre ça, surtout quand il parle d'argent. You're willing to work. If you're not willing to work, this is not your job. Even though I only post like 3 times a week, I still go to school 5 days a week, which is like insane because of the fact that like I have to film all my videos during the weekend and I can't really hang out with my friends as much. Success doesn't always mean money. Like if your drive to be successful, it's not necessarily money. Like if you're hitting your goals, that's successful. Like when I hit 10,000 subscribers, I felt like I was like it was just the best thing ever. Like I felt so successful. Like I just did everything I had to do. It didn't necessarily mean money at all. Bien sûr, faut pas se lancer pour l'argent, ça tout le monde le sait. Et on a chacun nos raisons de commencer à poster des vidéos, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui devrait l'affecter à son âge. Et encore une fois, je cherche pas vraiment à attaquer ce gosse. Des gamins comme lui, il y en a plein, mais ils deviennent pas tous connus à 13 ans. En février 2018, il réessaye de sortir une vidéo Florislava, mais la tendance étant essoufflée, elle fera beaucoup moins de vues que d'habitude. Mais heureusement pour lui, il va pouvoir compter sur la hype d'un jeu qui va prendre énormément de place sur YouTube et Twitch, Fortnite. Les vidéos challenge sur ce jeu, ça fait 100 000 vues. C'est bien, mais pas assez pour sa chaîne, car on rappelle qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Alors, il va commencer à faire des dons à des streamers connus, dont le plus célèbre, Ninja. We're gonna be donating a lot of money to Ninja, because, I don't know, he's just one of my favorite streamers, well, he is my favorite streamer. And yeah, so, he deserves it, he puts in so much time every day, and yeah. He's really on Fortnite, so he deserves it, boys. You already know. Bon, il se contente pas de donner 1 000 $ d'un coup, bien sûr. Il donne en plusieurs fois pour communiquer avec Ninja directement sur son stream. Dirty Jack donated $10 and said, I'm 14, so call me dad if you want another 10. I'm gonna not call you that, man. Dude, thank you so much for the $100 donation, man. Seriously, dude. I just hope that it's your money if you're 14. I'll give you $200 to call me your dad. Pourquoi tu m'as demandé d'être ton papounet? Dirty, you could give me $1 million. I will never call you my dad. Hey, I don't need you $100, Ninja. You better respond. Yeah, do something funny for my vid. I'll give you $100. Ninja finit par bloquer son mail pour ne plus qu'il fasse de dons. Et bien sûr, Jack ne comprend pas où se trouve le problème et dit qu'il trouve Ninja dur avec lui. I don't know what's wrong with him, guys. He must hate money or hate annoying 14-year-olds. Maybe when his channel, when Fortnite dies and his Twitch dies, he'll be like, damn it, I wish I took that $500, but it's good, it's all right. Il retentera l'expérience avec d'autres streamers. Show me your feet. J'aime beaucoup les pieds. Now, what up, person that gave me $10 and fuck your YouTube channel, bitch. À la fin de sa vidéo, il retape un peu sur Ninja pour ne pas lui avoir remboursé ses $600 de dons, comme il l'avait dit dans son stream. Ninja never refunded me after he said he would, but whatever Ninja, be a liar, I don't care, and take my money, whatever. Et c'est tout ça qui va mener à une de ses premières vraies controverses, parce que toutes les conneries d'avant dans les magasins, bah c'était pas des vrais dramas, vu que ça ne touchait personne de connu. He's not the nicest guy, especially the people who donated to him. Like, he's really not nice at all, like, any of his fans. Like, I heard a guy donated, like, $100 to shout out his wife's, like, Twitch stream or something like that. And he goes, please don't use my account to shout out your wife's Twitch stream. I don't condone the use of that, and I don't care how much money you donate. I thought it was very disrespectful, like, people are literally paying him, plus they just want to ask for a little shout out for a little help, like... Bon, c'est un peu touchy vu son âge, mais je sais que des adultes partagent son avis, donc on va quand même en parler. Soutenir en donnant de l'argent, c'est bien, mais attendre du streamer quelque chose parce que vous lui donnez de l'argent, c'est vraiment toxique. Oui, remercier, c'est la base. On peut avoir énormément de raisons pour lesquelles un streamer ne lit pas un don ou ne remercie pas la personne, et ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas respecter ses fans. Là, on rentre dans des relations parasociales et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une identité sur internet pour l'expérimenter. La plupart d'entre nous a déjà eu un gars ou une meuf qui essaye d'être trop ami avec nous alors que c'est pas naturel. Alors imaginez au niveau de Ninja, avec la popularité qu'il a et surtout auprès des plus jeunes. Like, I feel like the money's getting to him, like, way too much. Like, he's making a lot of money, like, probably like 1 mil plus a month, so like, he just starts to like not care at all. He doesn't care about like his fans, he doesn't care about anything besides money, like, he's doing everything for the money. Jack le dit à demi-mot, mais il semblerait que Ninja ait essayé de strike sa vidéo où il lui donne de l'argent. Il montre leur message privé et martèle que Ninja s'en fout des gens et qu'il n'est là que pour l'argent. You're
You're just annoying, you just want everybody's money, and yeah. Ninja lui a remboursé $300 sur les 600, alors qu'il y était absolument pas obligé. Puis il a fini par bloquer Jack. Alors je comprends le point de vue de Ninja, mais malheureusement, demander à Jack de supprimer sa vidéo ne va faire qu'apporter plus de lumière dessus. He waited 2 weeks to drop this vid, almost 3. Cette vidéo en est à 400 000 vues aujourd'hui, avec un petit ratio de dislikes. Après ça, Jack reprendra ses vidéos sur Walmart et Fortnite, et à partir de là, on ressent une forte baisse des vues de sa chaîne. Mis à part quelques vidéos qui atteignent 700 000 vues, ses vidéos suivantes peinent à dépasser le cap des 100 000. Les seules fois où il dépasse le million, ce sont des vidéos où il frappe à la porte des gens, ou qu'il réalise des défis de ses abonnés, comme boire une bouteille d'eau mélangée avec du sable, ou de faire semblant de voler le parasol des gens. Oh, it's for a video. It was for a video. Et il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi elle floute ce marchand de tatouage, mais pas la fille qui lui a demandé de supprimer ses rushs? Et dommage que la vidéo ne date que de 2018, car un an plus tard, il aurait vraiment fini arrêté. Il parvient à dépasser les 3 millions de vues sur une vidéo où il sèche l'école pour jouer à Fortnite. Hey mom. Why are you not in school? I'm skipping school for a YouTube video. No, Jack. You're gonna be in big trouble because I will not excuse you from school. That was your choice and you will take consequences, okay? And I'm sorry, I have to go to work. Oh bordel. On aura attendu presque 2 ans pour avoir une réaction normale de sa mère. Hein. Je vais finir par croire au miracle. Enfin, à partir du moment où la vidéo est mise en ligne, je pense qu'on peut continuer à douter de l'éducation de cet enfant. Au bout d'un moment, Jack finit par vraiment se faire arrêter par la police, qui lui dit que s'il remet un pied chez Walmart, il se fera arrêter et qu'il risque une amende de 10 millions de dollars. Bon, je connais pas les lois aux États-Unis, mais ça me paraît presque évident que c'est juste un moyen pour lui faire peur. Et ça semble marcher, car pour la première fois, on le voit sous le choc. Bon, sous le choc, et ça l'empêche pas de demander à ses potes s'ils ont record. Le boulot avant tout. Et on peut dire que ce coup de pression a bien marché, vu qu'un mois plus tard, il recommence à foutre la merde, mais dans un autre Walmart. Yo, Jack! Jack! Fin 2018, les choses se compliquent un peu. Le 10 octobre, Jack sort une vidéo sur son swatting. Mais contrairement à ce qu'il montre sur sa miniature, on ne parle pas d'homme armé jusqu'aux couilles, mais l'ambulance pour quelqu'un qui se serait blessé à la tête. Somebody called, said that somebody fell and got a head injury. Si la situation est chiante et causée par quelqu'un d'encore moins bien servi que Jack, ce n'est que le premier essai, car même pas 2 semaines plus tard, Jack se refait swatter pour une fausse fuite de gaz. Yeah, I'm Jack, but I never called. Par contre, quand les gens lui demandent de ne pas les filmer, il continue de le faire. Why not? You did it to me last time, and I'm not gonna do it again. Why is it a problem? No, I just don't want myself on YouTube. Sorry. Or do your YouTube on your own time, not my time. Yours right there. Yeah. Then I made YouTube. Yeah. Yep. Ils perdent déjà leur temps, rend pas les choses plus compliquées. La troisième fois où la police vient, ils demandent à parler uniquement à la mère de Jack, ce qui était sans compter la caméra de la porte d'entrée. En fait, Jack se fait véritablement swat par des abrutis, mais vu qu'il accueille à chaque fois les policiers et les ambulanciers avec sa caméra et qu'il les poste sur YouTube, ceux-ci doutent sérieusement que Jack n'ait rien à voir avec ça. Why is he waiting for us recording this? D'ailleurs, il pose son téléphone par terre pour pouvoir enregistrer la conversation avec eux. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il enregistre tout ça pour notre divertissement et que ça justifie tout ce qu'il dit. We're doing an investigation right now. Okay, do the investigation. I know for myself that I'm not calling the cops on myself. That's the stupidest thing ever. He doesn't do that. Like, I don't understand what you guys are thinking that I'm calling the cops on myself because I'm not. Like, that's the dumbest thing I've ever heard. I'm sorry, but I'm not doing that. There's 2 recording devices. But I went into my room, I recorded everything. I went into my room, I recorded once. This is my job. Right away came out because I want to record it because people want to see it. Do you think that we want that advertised, how we respond to stuff like this? Les policiers finissent par repartir et 20 minutes plus tard, ils doivent déjà revenir pour un autre appel. Are you kidding me? I'm not even recording this, I'm done. Outre ça, on a quand même droit à des bons gros plans sur des pieds et sur ce kigurumi incroyable au milieu des policiers, donc tout n'est pas perdu. Plus ça avance, moins ça va. Jack s'est fait swat au moins 3-4 fois, et vous ne devinerez jamais quel nouveau style de vidéo il va sortir après ça. Il va infiltrer la maison d'un autre créateur de contenu. Pour moi, la note suprême, c'est le 0. Oh non, je déconne pas. Lance Stewart, c'est un autre youtubeur qui réalise des vlogs et des pranks. Le 11 novembre, Jack poste une vidéo avec son pote, dans laquelle il s'amuse à sonner à la porte de ce youtubeur, et de se barrer quand il ouvre la porte. Yo, stop being a ditch it.
sauf qu'à la fin de la vidéo, ils ont une toute autre idée. We might try and go into his house. Guys, we're gonna go see if his door's unlocked or not. And we might try and pull up inside his house. Imagine if we get caught, but imagine if we don't. Like how good of content that is. It's unlocked. Ils s'explorent, volent de la nourriture et filment toute la maison. I don't think anybody's home. We need to get out of here. You close this, just close it. We're fine. You're so... Je crois vraiment que cette vidéo m'a débloqué une toute nouvelle phobie. Après, c'est un peu étrange, dans le sens où Lizzie, la copine de Lance, monte les escaliers alors que les garçons sont cachés dans une pièce dont on voit la lumière et qu'elle ne se pose pas de questions. Après, c'est peut-être parce que je psychote quand quelque chose change chez moi, mais même le chien ne les a jamais repérés et c'est le détail qui me fait le plus peur dans la vidéo. Et là, il n'est pas censé la voir, la caméra ? J'hésite entre l'idée que la vidéo soit fake et que le gars soit sous anxiolytique pour garder un calme pareil. Genre, t'es prêt à courser des gosses qui sonnent chez toi, mais quand tu les croises, caméra en main à l'intérieur de ta maison, t'es posé, chill les mains dans le fut. Lance n'appellera pas les flics et les laissera partir sans problème. Mais Jack refera une tentative le 22 juillet 2019. Yo! La même année, il se lance dans les challenges 24 heures. Rester à Walmart, ignorer sa daronne, ne pas manger pendant 24 heures, pendant 48 heures. Je fais croire à ma copine que je la trompe. Ma copine et moi, nous nous sommes séparés. Pourquoi est-ce que nous nous sommes séparés? Et il finira par se faire arrêter une fois en 2019 pour trouble à l'ordre public. Après un prank où il fait semblant d'être ivre dans la rue avec une bière. Do you guys have anything to eat? We have anything to eat? My stomach hurts. I'm gonna puke so bad. Maybe you should be drinking beer. It's not what it looks like. Can I sit in the cop car? No. Please dump it out. Yeah, dump it in the grass. Can I pee in my bottle? I have to go to the bathroom. For you, by the way. 17. So you're 17. You're not supposed to have that, and you're acting a little bit off. So you better get it together. You better keep an eye on him, okay? Yeah. I'm still here, man. Officer, you can't push me like that. Go to jail? Officer, for what? Open container in public. Your mom an open container. He physically took me. Yeah. It's 0% alcohol. Hey, yo, chill. Nah, you're yo, it's 0% alcohol. Doesn't matter. You can't act like that. I'm joking, officer. What are you talking about? Really? Yo, what the f***? Mais il est finalement relâché après que la police a trouvé un accord entre lui et ses potes pour le ramener. Don't even say anything right now, bro. Don't even say anything right now, bro. I'm being serious. Do not do any smart stuff right now. I'm not doing what? You just said some smart crap. To who? You want me to leave you here? Because they said that we can leave you here right now if you're doing that. En 2020, il passe dans la célèbre émission américaine Dr. Phil, présentée par Dr. Phil, qui est un talk show autour de plein de sujets divers et variés. Jack y est invité avec son père sur le plateau pour discuter des polémiques autour du contenu de sa chaîne. Et là, on assiste une nouvelle fois à la compétence du père de Jack pour éduquer son gamin. Je veux endorser ce qu'il fait, ou au moins aller avec lui. Right. I understand. Yeah, you take me to Walmart all the time. No, I understand his direction. But sometimes now that he's getting older, his content is getting so much more edgy, and he just keeps pushing the envelope, and it's getting scarier and scarier. Correct. It's difficult to figure out a way to discipline him. It is. If I take away his camera, if I take away his computer. But the thing is, I'm not like this off camera. Like I'm respectful. No, you could be. You're tough off camera too. Maybe with you guys, because you guys don't like to listen to me a lot when I talk to you. But I don't like want people to know that I have money. I don't want people to look at me like that. Et gardez cette phrase dans un coin de votre tête. Rachel, I'm sorry for riding my dirt bike by your house, but I also could have posted her face on the internet also because I wasn't on her property or anything like that. Je suis désolée, mais je suis pas un connard, j'ai flouté votre visage. Là, c'est vrai que d'autres n'ont pas eu cette chance. Les événements vont aller de mal en pis. En 2021, il se fait arrêter au volant d'une voiture dans un état dans lequel il ne peut pas conduire. La policière n'a pas envie de s'éterniser, donc elle le laisse partir. Et sa première arrestation avec sa fausse bière ne va pas lui apprendre grand chose, car il cherchera à provoquer la police encore plus. Officer, you want a beer? How old are you? 17. Are we chilling, all right? We in Miami, baby. You know the vibes. You got the fake out, baby. Let's go. Have a good day, guys. 0%. Have a good day. Et cette année-là, malgré tous ses pranks où il prétend être viré de l'école à force de sécher les cours pour ses vidéos, il parvient à finir le lycée. Et aussitôt diplômé, il part de chez ses parents pour une maison à Los Angeles avec ses potes et son chien pour tourner des vidéos. Et déjà que les parents de Jack avaient du mal à le retenir, c'est probablement l'événement qui va faire plonger son contenu dans un autre univers. Mais vous savez ce qui est pratique avec le fait qu'il déménage à Los Angeles? C'est que les Walmart ne le connaissent pas encore là-bas. Yo,
Oh my God, no way. Oh my, no way. No way. Et vu qu'il ne se fait jamais vraiment punir, il se croit vraiment tout permis. Hey, can I get your snap? Hey. I'm just kidding, bro. I'm just kidding. I'm just kidding. How small does your penis have to be to, in order to like be able to rent it, you know? Right? Listen here, please. No camera. Daddy, chill. Daddy, chill. Daddy, stop. Don't call me daddy. Sorry. What's the problem? Turn it off. Okay, bro, okay. Hey, what's the big deal? Walk back. What's the big deal? En août 2021, il est emmené au commissariat, mais pas pour la raison à laquelle on pense, car en été 2021, bah Jack, il a toujours que 17 ans. Et à cet âge, t'es pas censé partir comme ça du domicile de tes parents. Du moins, tu peux avoir des problèmes si c'est le cas et que tu n'es pas officiellement émancipé. You told me where you were at. You're going to call your parents and have them because then the parents could also get in trouble for letting a minor come out here. But I'm not going to get that far. We're going to call your parents before we get them involved. Dommage pour lui, car sa vidéo n'a fait que 300 000 vues. La partie 2 sur laquelle il tablait aussi n'a fait que 200 000 vues, alors qu'il annonce devoir rentrer à New York et laisser son chien à ses potes. Quelques mois plus tard, il sort une vidéo sur son dernier jour en tant que mineur. Today's the last day I can send and go all out, so that's what we're gonna do in today's video. So I gotta use that to my advantage while I can. Car il sait pertinemment qu'une fois majeur, il ne s'en sortira probablement plus comme les années précédentes. D'ailleurs, note à part, merci pour cette vidéo, il a fait croire que son chien était mort. Mais bon, finalement, c'était qu'un prank pour faire croire à son père qu'il voulait le vendre pour un million. He said he'd give me like $1 million for him. A million. I'm not joking, like I'm being serious. Like I don't know what to do, like it's a lot of money. Pendant son séjour à Los Angeles, il a évidemment eu des problèmes avec le voisinage et Jack nous offre le meilleur argument à sortir à son propriétaire en cas de désaccord. Well, you can read through all the comments on the YouTube video too. Everybody's on our side. Like nobody's on her side. S'ensuit tout un arc de vidéos sur cette plainte du voisinage. Did you have a chance to talk to the neighbors? Yes, I spoke to them. I spoke to the lady. She told me that your kids are partying, reckless behavior everywhere, harassing the neighbors. That's not okay. Vraiment, je veux pas m'acharner sur sa daronne, mais elle avait pas l'air de savoir que son gosse narguait la police non plus, alors que la vidéo circulait déjà sur internet. Jack répète sans cesse à son propriétaire d'aller voir les vidéos, mais dans celle-ci, on voit juste Jack qui refuse d'écouter et de parler normalement. We're gonna keep filming it because it's for our safety. You're gonna keep filming what? You guys. You're gonna keep filming us. Yes, because we're legally allowed to, for our protection, for our safety. For protection? What yes. Protection are you talking about? Well, you guys she are harassing us. She came over us. To talk to you about turning down your music. So why are you the here? Videos are not taken down. Okay. And I had said to you, please and take I, them and down. And I have said to you. You wouldn't apologize to my wife for being rude to her. So I asked you to please take the videos down. Il filme ses voisins sans leur consentement et les poste sur internet. Donc même s'il avait raison pour le bruit qu'il faisait, bah il a déjà perdu d'avance. Jack postera les deux vidéos de son proprio. Et peut-être que Jack avait oublié qu'il l'avait dit à son proprio d'aller voir sa chaîne. Donc ça a inexorablement mené à une nouvelle confrontation. Tout ça résulte en le fait que Jack et son frère doivent quitter la maison, et s'ensuit une série de vidéos où Jack fait croire qu'il va finir à la rue, mais ne vous en faites pas, il a retrouvé une nouvelle habitation, dont il se fait à nouveau expulser. Il quitte Los Angeles pour retourner à Miami, et qui dit nouvelle maison, dit nouveau challenge à Walmart. You know what that is? No. That's my black belt keychain. Oh shoot. You know what that means? You taekwondo my ass. For real. You're a jerk, so go f*** your friend. Oh, and you got a gun too. Et vous vous souvenez quand il disait avoir peur de montrer ses richesses? Ses vacances coûtent $1 million. Je surprends ma famille avec des vacances à $100 000. J'achète une Rolex à $30 000. Fais gaffe, Jack. On risquerait de savoir que tu as de l'argent avec ça. Malgré tout ce que je vous ai raconté plus tôt, on n'est pas encore au moment où les gens se sont indignés face au comportement de Jack, ce qui est étonnant pour moi. À partir de 2023, ses vidéos deviennent de plus en plus violentes. Jack commence à inclure des personnes qui ont visiblement une mauvaise influence sur lui dans ses vidéos et dans ses streams, car il stream sur Kick à ce moment-là. Et je sais que ça peut paraître étrange de parler de mauvaise influence quand on regarde tout ce qu'il a fait jusqu'ici, mais tout au long de ces dernières années, on peut le voir se faire remettre à sa place par des gars qui semblent vouloir son bien. Là, on parle de soirées qui tournent en bagarre, de vidéos où Jack doit être accompagné par un garde du corps pour continuer à faire ses conneries. Et heureusement, car c'est presque un miracle qu'un gars ne lui ait pas tiré dessus depuis le temps. I didn't say any curse words.
What'd I say? Just watch your language. What'd I say? You got a stupid shirt on over there. Yeah, yeah, yeah. Your kids can't read, though. What are you talking about? Your kids can't read, can they? I'm seeing your kids watching. Get away from me. You started talking to me, buddy. Get away from me. You get away from me. Watch your kids. Go walk away. Film it is your... D'ailleurs, en parlant d'armes... Il s'est fait ban de Kick pendant 24 heures parce qu'une fille a fait un flash boobs deux fois dans son stream et il a eu l'audace de la traiter de pute sur Twitter alors qu'il lui avait demandé de le faire. Let's go viral right now, let's go viral right now. Yeah, let's go. En plus de ses vidéos, Jack a créé son petit business autour de fans. Il gère les comptes de WeFam et fait leur publicité via ses shorts YouTube pour leur donner de la visibilité. What do you do for a living? I'm a professional fighter. What do you really do, seriously? A professional fighter, right? No, you're such a liar, liar, pants on fire. My parents, shut the fuck up, my parents are here. Il est d'ailleurs accusé par une de ses anciennes modèles d'avoir fait signer un contrat à une fille de 17 ans, alcoolisée sur son yacht, pour la forcer à devenir un modèle OnlyFans et récupérer toute sa thune. D'ailleurs, une de ses modèles est présentée comme sa petite amie, et avec ses conneries, il l'envoie à l'hôpital. Et si je vous parle d'elle, c'est aussi pour cet extrait plutôt malsain. Right now. McKinley, this is great. Title and thumbnail. No, I'm kidding. I think you look hot when you cry. I'm just having a panic attack. Oh, I'm sorry. I don't want to be so. I'm sorry. Okay, but look at the camera real quick. This is a good thumbnail. Face aux critiques que Jack se prenait sur le changement de son contenu, celui-ci va poster une vidéo d'explication sur sa chaîne secondaire. It's like I want to change and I just want to be a good person and I want people to see me as a good person. And I'm tired of this bad image and I know people always, it's hard growing up on social media, but it's like I chose to do that and I love doing that. I wouldn't trade this shit for anything. Il y a quelques semaines, les Ireland Boys, un groupe de youtubeurs qui a vécu dans la même maison que Jack, ont pris la parole pour alerter les gens sur son comportement. Bon, ils auraient pu le faire en privé, mais vous savez. He has no remorse for human dignity or respect. Just the way that he acts, it's almost like a robot and everything is for the money. He's told me and Matt multiple times that he doesn't feel anything, he has no emotion for human connection, and you can see that clearly when it comes to his videos. C'est compréhensible. Je veux dire, il a augmenté la gravité de ses pranks au fil de ses vidéos, donc ça ne serait pas étonnant qu'il soit totalement désensibilisé à la violence. Je fais rapidement le parallèle par rapport à la sensibilité des contenus qu'on peut voir en ligne. Pour les vidéos de Mama Max et Belle Delphine, j'ai fini sur du contenu sensible, sur des forums avec des anonymes qui partageaient des photos d'autres. Bah, en soi, en voyant ça, j'ai remarqué que ça me faisait plus rien, car j'ai été surexposée à ce genre d'images, comme beaucoup d'entre nous. Donc pour Jack, ça doit être la même chose, mais à une échelle beaucoup plus vénère. Son monteur, ses anciens potes, plus personne n'est là pour le soutenir, car ils ont senti que les événements prenaient une mauvaise tournure. Jack répondra dans un live reupload sur sa chaîne secondaire, et ainsi de suite, sans qu'il n'y ait vraiment d'évolution. À ce jour, Jack alterne des vidéos où il expose ses richesses, puis il se les fait voler, et tape plusieurs centaines de milliers de vues avec ses lives où il organise des soirées dans son immense demeure. Sa chaîne YouTube affiche actuellement 14 millions d'abonnés et il gagne plusieurs millions de vues par jour. Et son dernier drama en date, c'est Disneyland qui l'a banni il y a quelques semaines pour avoir dérangé les autres visiteurs. Well, at this point, I'm gonna film. All right, then take me off your property if that's the case. I'm not gonna sit here and not film while I'm getting pressed by multiple people. I don't care. Like, I didn't do anything wrong. I was just minding my own business, filming videos with my girlfriend, and then you guys come up to me and try to say trespass. Like, what? Like, everyone else is filming. I didn't even have a camera on me. I'm filming on my phone. So you guys are looking for problems, honestly. Wow. Vous êtes encore là? De base, quand j'ai vu passer le nom de Jack Doherty, c'était pour la partie violente de son contenu, et je ne compte plus le nombre de personnes dans les commentaires qui demandaient le retour de l'ancien Jack. Sauf que quand on regarde le début de sa chaîne et ce qui lui a permis de monter aussi vite en popularité, bah je vois pas comment on peut regretter ce gamin en train de faire chier son monde. Et quand on voit le peu d'autorité que ses parents ont eu sur lui au fil des années, le tournant de sa chaîne était inévitable. D'un côté, je partage l'avis de ses anciens collaborateurs, qui s'inquiètent de le voir s'entourer de personnes juste là pour l'argent. Mais de l'autre, j'ai pas l'impression qu'en faisant des vidéos réponses, cela change quoi que ce soit, mis à part leur donner aussi de la visibilité. Quoi qu'il en soit, je crains que d'ici quelques mois, on entende vraiment parler de Jack, que ce soit parce qu'il se fera écrouer au bout d'une énième connerie, ou parce qu'il finira par tomber sur la mauvaise personne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Exceptionnellement, j'aimerais bien vous demander de partager ma vidéo si elle vous a plu. Parce que la dernière vidéo que j'ai postée a été malheureusement strike par la personne visée, et que j'ai peur que ça ait un impact négatif sur le référencement de cette vidéo aussi. Et je remercie une dernière fois Oli pour leur soutien. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.